بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في درس جديد. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتكلم على لو نيفيلمون، وهذا لو نيفيلمون هذا إلي بلوز امبورطون سوا بور لي توبوغراف ولا بور لي تكنيسيان دو بي تي بي بصفة عامة. إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاول نفصل شنو هو لو نيفيلمون. دونك اجوردي جو دوا بارلي ان بو كومون اون فا déterminer la dénivelée entre deux points. Par exemple, j'ai un point ici A et j'ai un point ici B. J'ai essayé de dessiner deux mères ici, donc j'ai dessiné une mère ici et j'ai dessiné une mère ici sur le point B. Voilà donc كيفاش غادي نكلي نتكلم أو كيفاش غادي نكلي نحدد la dénivelée ما بين هذا point هذا point. يعني combien ce point il est plus élevé que ce point B. شحال باش طالع لو بوان ا على لو بوان بي. غادي نشوف يعني هاد لا دينيفلي هادي اونتر لو بوان ا اي لو بوان بي. اي كوم فو فوايي جي مي او بيان جي بوزي ما ميغ سور لو بوان ا سور لو بي كي ا اون ا سي تادير جي با بوزي لا مير سور لا تير. دونك انا ما حطيتش لا مير ديالي فوق الارض. سي دي كونسيي دو بوزي فوتر مير سور sur la terre directement. Donc il faut implanter un pic sur la terre et poser sur lui la mer. Donc j'ai mis la mer ici et j'ai mis aussi, j'ai posé la mer ici sur le point B par exemple. Voilà. Donc comme vous voyez ici, c'est la terre ou bien le terrain naturel. Ça, c'est le terrain naturel. Et ça, c'est le niveau. C'est un niveau, donc ça, c'est le niveau parallèle avec le point B. Donc, tous ces points qui sont sur ce niveau sont égaux au point, ou bien sont sur le même niveau que le point B. Bien, donc, j'ai essayé de parler en arabe et en français parce qu'il y a parmi les gens qui voient cette vidéo, qui sont des gens qui ne connaissent pas la langue arabe. Donc, je m'excuse parce que je dois un peu mélanger entre la langue arabe et la langue française. Mais bien, donc, on a l'appareil niveau. La première chose, c'est que, on va l'appareil niveau d'Yali à mi-chemin entre le point A et B. Donc, je dois poser mon appareil au centre entre le point A et B. Pourquoi? Pour éviter s'il y a une erreur systématique. Par exemple, s'il y a une erreur systématique, je dois l'éviter lorsque je fais le calcul des dénivelés. Donc, je dois éviter, ou bien je peux éviter ce problème. Mais bien. C'est bon? Donc, pour calculer le dénivelé delta Z, donc, ou bien le dénivelé dn entre le point A et B, on va tout d'abord savoir ou bien donner une définition du nivellement. Donc le nivellement, le nivellement, c'est l'opération qui consiste à déterminer la dénivelée entre deux points successifs et plus. Entre deux points successifs et plus. Soit j'utilise le cheminement, la méthode cheminement ou bien le rayonnement. C'est-à-dire, blabia, nivellement, il y a tariq ta les dénivelés. Je vais faire un point là, un point. C'est-à-dire, l'opération ta nivellement. Il y a la dénivelé, la différence de niveau. Nabin had point hada, par exemple A, et le point B. Et wa, on a la kantiklama la rouissa de piqué. Donc, je vais faire hada, elle est hada. Voilà, donc, on a. بالنسبة ليا هذه كتسمى لا دينيفلي ا بي. دونك لا دينيفلي ا بي كيفاش غادي يمكن لي نحددها؟ كومون جو بو كالكولي لا دينيفلي ا بي؟ دونك سي فو فوايي ايسي سا سي لاباراي نيفو. دونك جو ستاسيون ايسي ا مي شومان. دونك باغ اكزومبل سيت ستاسيون ايغال ا اس. دونك لا ديستونس اس ا اي ايسي سي لا ديستونس SB. Ça, c'est la distance SB.
Alors, la distance SA sera égale à A sera égal à la distance SB. مزيان هذا فيما يخص le stationnement تاع l'appareil ديالي. Donc j'ai essayé de mesurer en pas la distance entre A et B et je dois stationner mon appareil ici à mi-chemin. يعني انا كنحاول ما امكن غير برجلي كنعبر la distance ما بين A و B وكنحط l'appareil ديالي هنا في الوسط باش il a quand j'ai erreur systématique parce que s'il y a une erreur systématique ou bien une erreur au niveau de l'appareil, je peux l'éliminer lorsque je fais delta z, lorsque je calcule delta z, je peux l'éliminer. Voilà, donc là-bas, si je veux calculer la delta z entre A et B, ou bien la dénivelé, je m'excuse parce que je parle toujours de delta z, mais ici on ne parle pas des altitudes, mais on parle dénivelé. Je peux aussi la nommer delta z, mais maintenant je ne parle pas des altitudes. Quand on parle فقط على les niveaux, c'est-à-dire combien ce point il est plus élevé que ce point. Bien, donc voilà mon appareil niveau. Fait l'appareil niveau taille. Normalement, la lunette du niveau, lorsque je stationne le niveau, elle tourne dans un même niveau. L'appareil niveau, lorsque je stationne mon niveau, il tourne dans un même niveau. C'est pas comme la lunette de Théodolite ou bien de station totale qui peut bouger verticalement. Donc, l'appareil niveau, il bouge, il tourne dans horizontalement, au voquien, il tourne dans le fond ou le tête. Mais bien. Donc voilà, donc par exemple, si je vise ce point, qu'est-ce que je vois sur cette mer? Sur cette mer, normalement, moi je peux viser, ou bien je peux voir 3 ou bien 4 fils comme ça. Donc voilà, lorsque je vise, je peux voir un fil comme ça, il s'appelle le fil vertical, et un fil comme ça, qui s'appelle le fil horizontal ou bien le fil niveleur, un fil niveleur, et je vise aussi, je peux voir ici un fil qui s'appelle le fil supérieur, et ici je vise un fil qui s'appelle le fil inférieur, je m'excuse, c'est un fil inférieur. C'est bon? Voilà. Donc, lorsque je veux, lire sur cette mer, normalement, je peux prendre 3 lectures. Par exemple, ici, la lecture du fil niveleux. Et ici, par exemple, la lecture du fil niveleux aussi sur ce point. Par exemple, si je trouve ici, si je vois, par exemple, ici, je peux estimer cette lecture, ou bien je peux lire cette lecture dans ce point pour la lecture du fil niveleur. Par exemple, là, on va parler du fil niveleur. Donc, voilà, il a bris d'abord, on va faire la lecture. Si je veux savoir cette lecture, combien il est, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compter d'ici. La plupart des mires sont gradués en décimètres. La plupart des mères sont en décimètres. Donc, je n'aurai rien à dire. On dit qu'il y a 13 décimètres, par exemple, 14 décimètres. Par exemple, ici, c'est 13 décimètres, et ici, c'est 14 décimètres. Voilà. Donc, ce vide égale à 10 mm, ou bien 1 cm ici. 1 cm ici, 1 cm, 1 cm, 1 cm, c'est-à-dire 10 mm. Donc, par exemple, ici, maintenant, si je veux faire la lecture ici, donc j'ai 13 cm, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, voilà, donc 80 et quelques.
80 et quelques par exemple, et 6 et 7. Par exemple, je peux lire 6 et 7. Donc, cette lecture du fil nifleur égalera à 13, virgule, combien on a dit? Donc, 50, 60, donc 87. 13,87 décimètres. C'est-à-dire, le fil nifleur égalera à 13 à 1,387 m. Très bien. Si je veux faire maintenant cette lecture, donc je peux lire d'ici, donc il a besoin de faire mille naya. عندي 10 ملم 20 30 40 50 60 وتقريبا هنا 69 فوالا 10 20 30 40 50 60 et c'est presque 9 c'est-à-dire 19 c'est-à-dire la lecture en fil nifleur égale à 19 virgule combien on a dit 50, 60, 69 décimètres. Si je veux la mettre ou bien la convertir en mètres, donc je peux écrire 1 mètre virgule 9, soit 969 mètres. Donc, il y a un petit peu بهذا الشكل هذا هي الفيل نيفلور تساوي 1,969 متر. Très bien. Ça, c'est pour savoir comment on peut lire la lecture sur un mètre et comment estimer ou bien comment estimer le millimètre. Donc, je vais simplement estimer avec le millimètre là et chacun a sa visuelle ou bien chacun a son ambiguïté visuelle. هنا غادي نشوفوا غادي نتكلموا على كل واحد قلنا في الاستيماسيون تاع المليمتر كل واحد كيفاش كيستيمي كل واحد كيفاش غادي يمكن له يقدر يدير التقدير نتاعو انا بار اكزومبل نقدر نقرا هنا 13.87 واحد اخر يقدر يقرا 13.88 دونك بور ليستيماسيون دي مليمتر شاكان ا سون نوي شاكان ا سون استيماسيون بروبر بيرسونيل دونك بار اكزومبل ايسي موا بار اكزومبل جي لي 13.87, il y a quelqu'un qui peut lire ça et il va inscrire ou bien il va dire que c'est 13,88 par exemple. Voilà donc, ça c'est pour les lectures sur la mer. C'est bon. Maintenant, on veut déterminer la dénivelée à la dénivelée AB, la dénivelée AB, la dénivelée entre A et B. Comme vous voyez ici, ça, cette ligne, elle est parallèle à cette ligne. Donc cette distance, voilà, donc cette distance sera égale à cette distance. Cette distance, il est divisé en deux choses. Il est divisé en cette distance du fil nifleur vers le sommet du piqué. Donc, maximum juste où il jette. Maximum de la distance à lui. Mais le fil nifleur est le ruissant à le piqué. Et quand je dis à lui, c'est la distance à lui. Il y a delta z. Voilà. Donc, je peux dire. Andy. La lecture A, ça on l'appelle la lecture A. La lecture A, il y a une mille là, à la distance, cette distance d'ici vers ça. Donc c'est la lecture A, la lecture sur le point A, plus la dénivelée entre A et B, égale à combien? Égale à la lecture sur B. À la lecture sur B. Voilà, donc égal à la lecture sur B. Très bien, donc si on veut calculer la dénivelée
si on veut calculer la dénivelée AB, la dénivelée, donc la dénivelée AB, la dénivelée entre A et B égale à combien? À la lecture sur B moins la lecture sur A. Très bien. Donc, la lecture sur B égale à la lecture sur A. À la lecture sur B moins la lecture sur A. Égale à combien? Donc, on a dit ici, si 13, on a dit ici, c'est 13, ou bien 1m387. Donc, on va écrire 1,969 moins 1,387. Donc, je dois utiliser mon calculatrice, ou bien ma calculatrice, pour faire ce calcul. On va essayer de la calculatrice pour savoir combien j'ai. Donc, j'ai 1,969 ناقص 1,387 وكتخرج ليا 0,582 0,582. دونك دلتا زد ايجال 0,582 متر. Très bien, c'est-à-dire 58,2 cm. La différence de niveau entre le point A et le point B. Par exemple, maintenant, le point B, il est connu et je veux déterminer le point A. Donc, si je veux, déterminer l'altitude du point B, du point A, en s'appuyant sur l'altitude du point B. Vas-y, donc il a pris la même l'altitude de le point B. Voilà, donc on a la dénivelée d'Ali, donc la dénivelée entre A et B, on a dit que c'est 0,582 mètres. Très bien, donc maintenant si je veux faire le calcul, si je veux calculer l'altitude du Z, l'altitude de A, en s'appuyant sur l'altitude de B, comment on va faire? Donc, je dois dessiner la référence des altitudes qui est le géoïde. On va dessiner la référence des altitudes qui s'appelle le géoïde, ou bien qui s'appelle aussi le niveau moyen des mers, ou bien qui s'appelle le niveau zéro des altitudes. Là, nous pouvons utiliser le géoïde ou la référence ou la surface de référence des altitudes اللي كنسميها كذلك المستوى المتوسط للبحر يعني الزيرو في الحاله اللي كيكون البحر هادئ ما كاين لا امواج لا والو سي بون دونك ici l'altitude du point A c'est ici ça c'est la distance entre A et B ça fait l'altitude du point l'altitude du point A, c'est cette distance, donc ça c'est le géoïde, ça c'est le géoïde, et ça aussi c'est le point, c'est l'altitude du point B. Très bien. Donc si ça c'est l'altitude du point B, il y a l'altitude de B,
je peux le reporter ici. Je peux reporter ici le point, l'altitude du point B. Donc, ZB, c'est ça. Donc, si je veux calculer, si je veux calculer l'altitude du point B, A, par exemple, c'est quoi l'altitude du point A? C'est l'altitude du point B plus la dénivelé entre A et B. Voilà, donc ZB, ZA égale à ZB plus la dénivelé entre A et B. Donc, si je veux calculer l'altitude du point B, donc on a dit que c'est que ZA égale à ZB plus la dénivelé entre A et B. La dénivelé, c'est pas la distance, la dénivelé entre A et B. Voilà, par exemple, si j'ai ZB, par exemple, égal à 100, alors, plus 0,582 mètres, donc ZA égalera à 100,582 mètres. Donc, à l'effet, il y a les altitudes, ou bien, donc, comme je l'ai dit, Z le point B, Z le point A par exemple, il y a 100,582. Mazien, quand il y a une chose, il me reste une seule chose que je veux démontrer ou bien que je veux expliquer, c'est que le rôle des faits supérieurs et niveleurs, qu'on appelle les faits stadimétriques. Voilà. Donc, la relation entre le fil niveleur, la relation entre le fil niveleur, entre la lecture sur le fil niveleur égale à la lecture sur le fil supérieur plus la lecture sur le fil inférieur sur 2. Par exemple, si vous avez seulement deux lectures, fil supérieur plus fil inférieur sur 2 égale à fil niveleur. Il aimerait contrôler, si je veux contrôler la valeur du fil niveleur que j'ai pris sur le terrain. Donc, lorsque j'arrive en bureau, je peux faire le calcul du fil supérieur plus, inférieur, plus le fil inférieur sur 2. Normalement, ça sera me donner la valeur du fil niveleur. Et là, la valeur est très de 1 mm ou bien 2 mm. Donc, il y a une erreur, par exemple, lorsque je fais mes visites ou bien mes lectures. Le contrôle du fil niveleur, il se fait dans la méthode Hadi, fil supérieur plus fil inférieur sur 2. Il y a les fils stadimétriques, yani le fil supérieur ou le fil inférieur, pour calculer la distance entre A et B, par exemple, en utilisant ces deux fils. Donc, la distance Hadi, donc je calcule tout d'abord la distance entre S et le point A et aussi la distance entre le point S et le point B. Donc pour calculer cette portée, la portée ou bien qu'on l'appelle la distance AB ou bien la portée AB, donc je dois faire tout d'abord le fil supérieur en point A, que j'ai la lecture du fil supérieur en point A moins la lecture du fil inférieur, la lecture du fil inférieur en A fois 100, le tout fois 100, quoi que j'ai quand même, ça me donnera la distance SA. La distance SA, oui. Donc la lecture aussi du fil supérieur en point B moins la lecture du fil inférieur en point B fois 100, le tout fois 100,
me donnera la distance entre S et B. La distance S, B. Alors, si je veux faire, si je veux calculer la distance AB, donc je dois faire la distance SA plus la distance SB. C'est bon, donc la distance AB, la distance AB égale à la distance SA plus la distance SB. Deuxième, donc on peut s'arrêter ici. نحاول ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نحبس هنايا وفي الحلقات الاخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحاول نتكلم على لو نيفيلمون بار شومينمون اي لو نيفيلمون بار رايونمون ان شاء الله الرحمن الرحيم وكذلك جو بو اكسبليكي لو نيفيلمون ميكست او بيان ان شومينمون ان نيفيلمون بار شومينمون ميكست جيسبر كو جي فو كونفانكي اي جيسبر كو جي بيان اكسبليكي سيت لوسون كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نكون وصلت لكم الفكره وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انني نكون توفقت انني نعاونكم وما تنساوش الله يجزيكم بخير دعيو معايا وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو مع اصحابكم وكما كنقول لكم دائما راه ماشي من اجل الربح المادي او لا فقط من اجل باش انه يكون استفاده اكبر عند الناس فاي واحد بارطاجيتي ليه وصلت المعلومه راه حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم كيكون عندك الاجر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.